Non, vous avez échoué. Vous l'avez laissé, il est allé chercher au dehors. Oui, il n'est pas venu chez quelqu'un ici. Un client comme ça, vous l'avez laissé. Bon, c'est bon choix. Alors, je suis avec Marcel. Marcel, et nous sommes amis. Quand vous nous voyez, tout le monde peut partir. Nous sommes en train de tidier et tout. Jusque-là, il n'a rien ressenti pour moi. Je n'ai conseillé les enfants. Je n'ai rien ressenti. Mais un an, on avait seulement peut-être premier ensemble. Et un jour, Marcel vient et il me voit autrement. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que si j'arrive, ils vont former un couple formidable. Parce que avant d'être maintenant amoureux, ils étaient amis. Et vous ne pouvez pas imaginer, monsieur, merci pour votre attention. Quand on est amis, on se dit tout. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? On peut toucher sa tête, on peut s'amuser. Marcel peut me garder sa main, on peut crier. Je peux même faire du vent à côté de Marcel. Il va dire, on peut faire pour ça. Faire du vent. Mais vous ne faites pas du vent. Ah, ah. Ça ne dira rien à Marcel. Il peut, je suis en train de me laver. Il rentre. Je dis, Marcel, attends, moi, je suis en train de me laver. Je sors de la douche. Je peux me laver rapidement. Ça ne dit, ça y est, ni vie, ni raisin. Mais l'amour peut naître d'une relation comme ça où nous étions comme de vrais amis. Vous me suivez? Si on prend sur les étapes, nous allons former le meilleur couple. Parce qu'avant d'être amoureux, nous étions amis. Mais on n'a plus ça aujourd'hui, malheureusement. Nous n'avons plus trop d'amitié pour qui aboutissent aux amours. On n'a plus ça parce que tout le monde a peur. Est-ce que ça va donner et tout. Donc la vie conjugale, la période des fiançailles est, ça dit, indiscutable. C'est le laboratoire de la vie de mariage. Parce que c'est pendant cette période, tu peux dire franchement, ton comportement là, ça ne me plaît pas. Ton comportement là, ça ne me plaît pas. C'est dans la préparation. Tu dois pouvoir les fondations. Les gens sont là, la fille n'a pas bon comportement, mais elle dit, bon, ça va changer, tu es malicieux. Tu veux changer quoi dans ce comportement? Tu es jeune fille et tu vas chez ce monsieur à la maison, c'est lui, clic, clic, sur sa maman. Et puis tu viens voir tes amis dire, oh, elle va nous mettre dans la vie.